Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le lundi, Shmat Moriver, Bishmuel, Ben Shulam, Zalman, Nisimena, Houda, Sarah, Batra, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Richa, Batrim, Nechemia, Lor, Léa, Bat, Beila, et Shalom, Ben Chmiba, ainsi que l'Irfat, Ava, Mori, Ben Reout, Betor, Shar, Chol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions, Masechet, Zavachim, Perik, Yudalef, Mishnachet. Bishel, Bo, Kadashim, Vecholim. O, Kodesh, Kadashim, Vekodashim, Kalim. Imesh, Ben, Ben, Noten, Taam, Area, Kalim, Nechalim, Kachamurim. ואין אנ טעונין מריקה ושטיפה, ואין אנ פוסלין במגע, רקיק שנגע ברקיק, וחתיכה בחתיכה. לא כל הרקיקין, ולא כל החתיכות אסורים. אין הוא אסור, אלא מקום שבלע. On traduit tout de suite. On continue bien sûr à parler de מריקה ושטיפה, mais cette fois-ci, on va plus franchement parler de מריקה ושטיפה, mais plutôt de choses regardées. בישל בו קודשים וחולין. S'il a fait cuire dans un ustensile qui avait absorbé du kodesh kodashim, du khatat par exemple, donc c'était un kodesh de kodashim, et du choulin, et des aliments choulin, profanes, ouais, dans la hazara, vous savez bien, d'accord, ben les kohanim mangeaient dans la hazara les kodesh kodashim, et peut-être même d'autre part, il y avait là-bas des parts qui mangeaient, mais ils avaient aussi le droit d'apporter aussi leurs aliments choulin pour pouvoir manger les kodashim avec beaucoup de kavod, la Torah a insisté, les moshra, de les manger avec honneur. Important d'apporter les bonnes sauces, de moutarde et je ne sais pas encore de quoi. Donc, s'ils veulent faire un bon petit riz, de ramener des pruneaux pour faire de la viande aux pruneaux, je ne sais pas, des idées comme ça, et bien dans ce cas-là, ils peuvent amener leurs aliments qui sont khoulines dans la zara et faire cuire leurs aliments avec. Donc la Mishnah m'enseigne, sache que si tu as fait bishelbo, kodashim vechoulin. S'il a fait cuire maintenant dans l'ustensile des kodashim et des choulines, il y avait une casserole dans laquelle, cette fois-ci, ils n'avaient pas fait cuire ensemble, mais un après l'autre. Il a commencé d'abord par faire cuire la viande de la khatat. Après, il a sorti la viande, il a même rincé l'ustensile éventuellement, et puis après, il a fait cuire son riz. D'accord? Ou encore, kodashim, mais kodashim kalim. Il a d'abord fait cuire les kodashim, par exemple son khatat. Et puis après, il a fait cuire ses shlamim, la viande de shlamim, qui était kodashim kalim. La Mishnah m'enseigne. Et alors là, accrochez-vous, parce que la Mishnah, elle va être incompréhensible en l'état. Parce qu'en l'état, il y a eu un bug de transmission dans cette Mishnah. Il va falloir la couper, rajouter des mots, et puis après redonner une allure. Regardez comment ça va se contredire. Yesh ben benotem im yesh ben benotem ta'am. Si il y a dans le goût du kodesh, de l'aliment saint qui va interdire, benotentam, de quoi transmettre le goût dans tout l'aliment. Are hakalin ne'echalin kam chamurim. Les aliments de niveau de gdusha inférieur devront être mangés avec les mêmes lois strictes de l'aliment de niveau de gdusha supérieur. Ve'enan te'unin merika ushtifa. Et l'ustensile n'aura pas besoin de faire merika ushtifa. Ve'enan poslim bemaga. Et ils ne vont pas rendre interdit en communiquant avec un autre aliment. D'abord, il faut expliquer les trois notions. Non, je pense que je vous vends déjà la bêche pour donner une allure dans cette Mishnah. Et si déjà on n'a qu'à le faire à l'intérieur du Bartenora. C'est très simple. Il y avait une phrase initiale. Il y a un bout d'un Mishnah qui s'est perdu en route, en fait, et qu'on a ensuite, que la Mishnah a dit qu'en fait, c'est ce qu'il va falloir dire. C'est comme si je disais, si ça va donner du goût, alors tu devras faire 1, 2 et 3. Et si ça ne va pas donner de goût, tu ne devras faire ni 1, ni 2, ni 3. La Mishnah, ce qu'elle nous a fait, c'est qu'elle nous a dit, si ça va donner du goût, tu devras faire 1, et tu ne devras pas faire 2 et 3. Le problème, c'est qu'il va nous manquer donc tout l'intermédiaire. De dire, tu devras faire 1, 2 et 3, et si ça ne va pas donner du goût, tu... Ouais, d'accord, on s'est compris. Il y a eu un trou en fait dans la Mishnah, il y a eu un morceau de Mishnah, une ligne en recopiant les Mishnayot qui s'est perdue à un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et du coup la Mishnah nous répare et nous dit, alors on n'a qu'à le faire directement dans la Mishnah, pour découvrir c'est quoi ces trois à la chôte. Matnitin chisuri mirsera verchiktane. La Mishnah manque de mots et c'est comme ça en fait qu'il faut l'enseigner. Im yesh ben benoten ta'am. Si il y a de quoi donner du goût, c'est-à-dire que tu as fait cuire d'abord ton khatat dans la casserole. Après, tu as retiré ton khatat, et il reste dans les parois de la casserole. Il reste du goût absorbé. De manière à ce que lorsque tu vas faire cuire ton riz, ça va donner le goût au riz. Ou encore, lorsque tu vas faire cuire tes shlamim, ça va donner encore du goût. Il y a de quoi donner du goût.
D'accord? Même si c'est de la viande, de la viande. Mais il y a quand même de quoi donner le goût de la viande dans la. Puisqu'il y a en théorie la possibilité de donner le goût, de ce fait, ça va rendre interdit. Alors quoi? Ça, pour le moment, c'est encore écrit dans la Mishnah, que tu devras manger le niveau léger avec le niveau strict. D'accord? Donc, si c'était des roulines du riz, tu devras manger avec la rigueur d'un khatat, finir de manger ton riz jusqu'au petit matin qui suit. À même un khatsot, même tu devras t'arrêter. D'accord? Parce que le riz, il est absorbé du goût du khatat, il a la même rigueur que le khatat. D'être fini de manger avec un jour et la nuit qui suit. Idem encore, avec la même rigueur, ah, je vous ai dit pour le lendemain matin, ça implique aussi l'ifni, ne pas le faire sortir ce riz à l'extérieur des parois du Beth Amikdash, des klaim de la Hazara, les yom valayla, dans un jour et une nuit, merika ou bemaga. Et ils devront aussi, l'ustensile devra ensuite subir la merika et shtifa, être lavé, étant donné qu'il a quand même absorbé du kotchikodashim. Ou poslin bemaga, et ils vont rendre inapte à la consommation en touchant un autre. J'explique tout de suite de quoi on parle, c'est très simple. C'est que si toutefois j'ai eu un riz qui a absorbé du khatat, et que ce riz ensuite, je le fais cuire ensuite avec autre chose, ouais, avec ensuite des pommes de terre, dans une autre casserole même, et ben le riz, il va lui aussi communiquer les lois rigoureuses du khatat. Ça se communique, d'accord? De la viande, ça passe au riz, du riz aux pommes de terre, des pommes de terre aux haricots. Ok? C'est clair? C'est ça ce que ça veut dire, poslim bemaga. Ils rendent inapte en contact, en entrant en contact. Même si c'est deux choses, même si on les refait même pas cuire, ils sont tous les deux chauds et puis ils se touchent, et ben dans ce cas-là, la pomme de terre aussi, elle va devenir, elle aussi, tu devras la manger avec les mêmes restrictions. Ensuite, en bahem benoten ta'am, si toutefois, donc ça, là on est passé dans la phrase qui est manquante, si toutefois, en bahem benoten ta'am, il n'y avait pas de quoi donner du goût, il y avait une quantité trop infime, donc ça n'a pas transmis le goût au riz. En akalim nechalim kachamurim, il n'y aura plus les lois rigoureuses pour les aliments profanes ou kodeshim kalim. Ben Merika Ushtifa, Ben Postin Bemaga, tout à la négation, comme c'est écrit dans le sud de la Mishnah. C'est clair? Barthénon, je préfère pas, on a déjà des Mishnayot lourdes un peu. Il y a une précision très importante. Je vous le dis entre parenthèses, continuez le Barthénon si ça vous intéresse. Cette Mishnah, elle va que d'après Rabbi Shimon, qui nous dit que de la Kodashim Kalim, il n'y a pas besoin de faire Merika Ushtifa, comme ce qu'on entend dans la Mishnah précédente. Sinon, on a un problème, comment on commence cette phrase avec Kodashim et Kodashim Kalim. Je referme la parenthèse, celui qui a compris, tant mieux. Celui qui n'a pas compris, c'est pas très grave. Ensuite, rakik maintenant, deuxième partie de la Mishnah. Rakik, shenaga barakik, bachaticha bachaticha. Lo kol harakikin, lo kol hachatichot asurin, eno asur ela makom shebala. Si on a eu un petit pain, vous savez bien que lorsque par exemple on apportait certaines menachot, des oblations, ou encore il y avait même les lachmetoda, il y avait des petites halotes qu'on apportait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un pain qui a touché un autre pain. Celui-ci, il était kadosh, et l'autre, il n'était pas kadosh. Ils sont entrés en contact, ils étaient tous les deux chauds. La question est de savoir maintenant, le pain qui n'était pas kadosh, qu'est-ce que je dois en faire? Tu m'as dit de le consommer aussi très rapidement, parce qu'il y en a, il absorbé. Mais jusqu'à quelle quantité il absorbe? Tout le pain? Comment on fait? La Mishnah m'enseigne comme ça. Rakik shenaga berakik, un pain qui a touché un autre pain, ou encore bachaticha bachaticha, un morceau de pain qui a touché un autre morceau de pain, celui-ci était kadosh et l'autre n'était pas kadosh. La Mishnah m'enseigne lo kol hakikin et lo kol hachatichot asurin. Tous les pains ne deviennent pas interdits et tous les morceaux ne deviennent pas interdits. Alors quoi? Et no asur et la mekom shebala ne sera interdit que l'endroit où ça s'est entré en contact. Très brièvement, c'est précisé dans l'Acha, le Tifel Sarapor par exemple. Vechoter keden etila misham. Il devra couper une petite épaisseur qui s'appelle ce qu'on appelle keden etila. De quoi saisir le pain. Ouais, une petite lamelle dans la transversale du pain quoi. De manière à ce qu'il puisse l'attraper, ce qu'on appelle keden etila. Et ça uniquement, il devra le consommer très rapidement dans les 24 heures de relais, tandis que le reste du pain, il aura encore plus de temps pour le consommer. J'explique très rapidement. Vous avez sûrement déjà été confronté. Il y a quelques petites contradictions, celui qui ne connaît pas le fonctionnement, hein, il a l'impression que ça se contredit.
Lorsqu'on absorbe, en fait, on distingue dans les absorptions des aliments interdits, est-ce que, de la manière dont ça a été absorbé. Est-ce qu'il y avait une sauce, est-ce qu'il n'y avait pas de sauce. Des fois, ça va être plus strict sur certains détails, d'autres, sur d'autres détails, au contraire, à l'envers. Là, alors, vous savez bien que lorsque, si vous faites cuire, vous avez une casserole, et vous faites cuire quelque chose d'interdit tout au fond de la casserole, il faudra faire la gala de toute la casserole. Parce que lorsqu'on fait cuire avec une sauce, alors on considère que la sauce, elle est méfafaate. Elle se promène dans les interstices du métal, et ça communique tout l'ustensile, maintenant il prend le goût. Ça, c'est en général toutes les cuissons avec sauce. Ce qui se touche chaud alors qu'il est sec, sans sauce, alors ça ne communique l'interdit et qui n'est pas gras. Ouais. Ça ne communique l'interdit que sur la face externe. La face externe, donc de ce fait, la halakha nous dira de couper ce qu'on appelle kedé netila. De quoi saisir une petite pellicule fine, de quoi la saisir telle qu'elle sans qu'elle se casse, l'équivalent de, je sais pas moi, peut-être un 2 mm, je sais pas, je connais pas le chiffre exact, en tout cas peut-être 2 mm, j'imagine que ça fera l'affaire, vous pouvez l'attraper maintenant et le déplacer telle qu'elle, c'est ce qu'il faudra retirer, d'accord? De ce fait, la Mishnah m'enseigne maintenant, un pain cachère qui a touché un pain interdit, eh ben, ce sera pas la peine de brûler ou de te dépêcher de consommer tout le pain, puisqu'on parle d'un corban qui doit être mangé en un jour, en deux jours, ou peu importe, sur une durée de temps limitée, eh ben, ce ne sera pas la peine de tout mettre, de se dépêcher de tout manger, mais juste la face externe. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la sacha, kol tov, c'est là.